Vous savez, je regarde beaucoup ce qui se passe sur Internet et je suis tombé fan d'un animateur radio. De YouPorn. Ouais. Ça c'était avant. Et j'ai pas attendu que d'être animateur radio pour être fan de YouPorn. Hein. Mais en fait, je regarde beaucoup ce qui se passe sur Internet et je suis tombé fan d'un confrère, animateur radio, qui s'appelle Ronan. Il est dans le Nord. Et voici l'une de ses chroniques. Enfin, l'une de ses réflexions qu'il a eues pendant l'une de ses chroniques. Je vous fais écouter. Moi, je pensais naïvement que, comme on dit, homme qui rit, le zizi à moitié sorti. Bon, bah là, on était quand même sur une fermeture administrative de la braguette. Voilà. Donc. C'est très cool. C'est Harley. C'est très cool. Non, mais il faut regarder sur son Instagram ou même sur son TikTok pour ceux qui l'ont. TikTok dans ma poche. TikTok. Il retransmet sur ses réseaux sociaux, en tout cas, ses chroniques. Et franchement, moi, je suis fan. Là, je vous ai juste fait écouter un très court extrait qui dure quelques secondes, qui dure 10 secondes. Mais il a des chroniques excellentes. J'ai pas voulu en diffuser plus parce que bon, voilà. Ça... Oui, c'est vrai qu'on est juste une radio un peu concurrente quelque part. Non, c'est juste que j'ai pas voulu. Le mec, il travaille chez Intermarché, il fait de la retape pour Leclerc. Même pas, toi. Parce que je lui ai envoyé des messages, tout ça, pour le fessier de ses chroniques. Pour le. Pour le... Mais, non. Sucé. Pardon. Non, mais au moins, tu vois, pour éviter qu'on paye au moins la SSM sur cette chronique, on va éviter, donc je mets pas plus. Mais en tout cas, non, voilà, il fait de très bonnes chroniques à suivre, je recommande. Très bien. Oui, Ronan, c'est ça? Ronan. Ro. Ro. R-O-N-A-N. Ronan. 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 Voilà, Ronan. Ronan VB sur TikTok. Après, sur le reste, je sais pas comment il s'appelle, mais ça va être Ronan. Très bien. Non, Renan. C'est pas le même, j'ai regardé. Oui. Renoncule. Voilà, oh non, je t'ai plus. Voilà pour la chronique culinaire. Les perles du web. Très bien. Voilà.